Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre émission Point de vue. Le 27 juin 2023, le Conseil national de transition CNT a adopté le projet de la nouvelle constitution proposé par le gouvernement de la transition du Tchad. Les Tchadiens seront appelés aux urnes le 17 décembre 2023 pour dire oui ou non au projet de constitution construit sur un État unitaire décentralisé, aux grandes dames des fédéralistes. Ces derniers et une partie de la société civile estiment avoir été mis à l'écart et accusent la transition de vouloir en outre imposer un État unitaire. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau de votre émission Point de vue deux acteurs de la société civile pour évoquer le rôle de cette dernière dans la phase de la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution. Il s'agit de M. Mahamat Diga Dimbaye, coordonnateur de CACIDO, et de la conseillère Amina Tidjani Yaya de l'ONG La Voix de la Femme. Merci, mesdames, messieurs, pour votre fidélité à l'émission Point de vue. Chers invités, merci de nous avoir accordé de votre temps afin qu'on puisse échanger sur ce projet de la nouvelle constitution et surtout la phase de la vulgarisation. Bienvenue sur Télé-Tchad. Merci. C'est à nous de vous remercier, de nous appeler afin d'éclairer l'opinion sur l'importance particulière de ce projet de constitution. Merci à l'UNAMA pour l'invitation de venir à travers cette émission d'échanger sur la question qui sont très importantes en ce moment, la question de l'organisation des référendums dans notre pays. Et nous, cette plateau nous offre l'opportunité d'être direct et avec la population. Merci. Les recommandations des travaux du dialogue national et inclusif et souverain ont préconisé l'adoption d'une nouvelle constitution à titre de rappel juste et surtout par la voie référendaire. Alors vous qui étiez également participant à ce dialogue national et inclusif et souverain, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord cette option? Oui, d'abord, il faut souligner que en tant qu'acteur de la société civile, nous avons joué un rôle déterminant et dans l'organisation du dialogue national inclusif et souverain, et également en tant que participant lors de ces assises. Et il faut le dire que le projet de la nouvelle constitution a constitué un débat très sérieux au niveau des assises du dialogue. Et il y a eu des opinions qui divergent. Il y a eu les partisans, comme vous avez dit tout à l'heure, de la fédération, et il y a eu également des partisans de l'État unitaire. Donc c'est un débat vraiment qui a eu lieu même avec passion, il faut le dire, et c'était très enrichissant et a donné beaucoup plus d'importance et de sérieux lors du dialogue national inclusif et souverain. Donc, étant donné que les opinions divergent, ça n'a pas été également facile que la commission mise en place, le comité ad hoc, la commission mise en place par le DENIS, pour essayer de trancher. Et c'est pourquoi la proposition qui a été faite dans la salle est d'aller au référendum avec un projet de constitution qui puisse être fondé sur la constitution de l'État unitaire décentralisé. Donc, la majorité a triomphé. Et il faut également le dire, c'était pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'était pour nous une joie immense le fait que nous allons soumettre cela au référendum pour impliquer le peuple souverain à pouvoir lui-même trancher.
Donc, c'est pourquoi le référendum sur ce projet de constitution est une voie salutaire, malgré qu'il y a des voix divergentes. Mais lorsque ce projet sera soumis à référendum, eh bien, le peuple va trancher. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont opter pour ou non? Mais nous pensons que ce projet est la résultante d'un consensus national dégagé lors du dialogue national inclusif et souverain, d'où le projet de l'État unitaire décentralisé dans la Constitution. Conseillère. Oui, je complète le président Mamat. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'annonce faite par le gouvernement de l'organisation du référendum. C'est-à-dire l'organisation du référendum pour adopter la nouvelle constitution de notre pays. Et comme vous le savez, le référendum est une expression directe de la démocratie qui permet au peuple de se prononcer sur la nouvelle constitution. Donc nous accueillons les choix du gouvernement d'organiser les référendums. Alors, vous, en tant que société civile, quel est le rôle que vous avez joué jusqu'à ce stade? Oui, comme vous le dites, je pense que, comme j'avais également dit, et comme Amina l'avait dit, nous avons un rôle vraiment prépondérant, un rôle vraiment capital. Nous avons d'abord joué le premier rôle, c'est lors des assises, où on a pris part et on a participé dans le cadre également de l'adoption également de cette recommandation, qui est une recommandation phare du dialogue national inclusif par rapport à la révision de la Constitution et de pouvoir la soumettre au référendum. Et par rapport également à votre question, maintenant, nous sommes dans la phase de la vulgarisation de cette Constitution. Et pour vulgariser, je pense que nous, en tant que société civile, on a un rôle vraiment déterminant. Déterminant, pourquoi? Parce que les organisations de la société civile, il faut le dire, ils sont proches de la population. Étant proches de la population, ces organisations sont mieux outillées pour faire passer le message. Et maintenant, comme vous le dites, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la vulgarisation? Ce que nous avons, en ce qui concerne, c'est-à-dire notre organisation de la société civile, nous avons mis en place, c'est-à-dire une stratégie de communication dans ce sens, en impliquant les coordinations provinciales, c'est-à-dire pour faire un travail, c'est-à-dire de sensibilisation, de proximité, pour faire passer le message. Et il faut le dire, pourquoi cette constitution est importante et que la population du Tchad profond doit connaître, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la constitution, parce que nous le soumettons à référendum. Donc, pour nous, dans notre stratégie d'approche, faire des simples communications dans les médias, faire de simples discours par-ci, par-là, pour nous, ça n'a pas de sens. C'est vrai, c'est une approche de communication, mais il faudrait que la population du Tchad profond puisse avoir, c'est-à-dire connaître ce qui est dans cette constitution. Alors, comment est-ce que, voilà. Ce que vous faites pour que cette population comprenne le contenu voilà. De cette constitution? Voilà, j'en arrive. Et c'est pourquoi maintenant le problème se pose. Parce que nous ne disposons pas des quantités qu'il faut importante, c'est-à-dire de cette constitution-là, pour essayer de la vulgariser. Maintenant, nous sommes en train seulement de faire, c'est-à-dire des rencontres pour expliquer ce qui est dans le contenu. Et c'est l'occasion de demander, c'est-à-dire au gouvernement, de mettre à la disposition des organisations de la société civile des quantités suffisantes de cette constitution pour que les Tchadiens, les citoyens tchadiens du Tchad profond puissent connaître cela. Parce que demain, il ira aux urnes pour voter oui ou non pour la Constitution. Et c'est pourquoi la stratégie, c'est quoi? Si aujourd'hui, le Tchadien du Tchad profond ne connaît pas ce qui est là-dedans, il y a des gens qui, le moment venu, vous diront que tiens, bon,
je n'ai pas compris et puis peut-être je ne vais pas sortir. Mais il faudrait... Est-ce que les partisans de oui ne vont pas simplement leur dire « allez voter oui » et c'est fini? Oui, non, mais c'est, non, j'ai dit c'est bien de dire « allez voter oui ». On peut le dire, mais je pense que la mission n'est pas arrêtée là. Là, on n'a pas fait notre travail. Allez voter oui, mais il faudrait également qu'on puisse comprendre ce qui est là dans la Constitution. C'est pourquoi nous, en tant que société civile, je pense que notre approche est celle-là. On fait la campagne, c'est-à-dire pour vulgariser la Constitution, mais il faudrait que le Tchadien puisse comprendre qu'au moment, c'est-à-dire de la campagne référendaire, oui. Il y aura les partisans du non qui vont faire leur campagne pour le non, il y aura les partisans du oui qui vont faire leur campagne pour le oui, mais c'est ce Tchadien-là qui va, ce citoyen-là qui va aller voter. Trancher. Qui va aller trancher. Donc il faudrait qu'ils comprennent le contenu. Donc nous profitons également de l'occasion pour lancer, c'est-à-dire un appel, c'est-à-dire au gouvernement qui a le droit de multiplier ces documents et remettre aux différentes structures politiques ou comme société civile, de le faire vite parce que le temps passe. Il faudrait que nous puissions avoir très vite, c'est-à-dire ce genre de documents pour finaliser notre travail de sensibilisation et de vulgarisation de la Constitution. Oui, votre organisation, tout comme l'ONG La Voix de la Femme, font partie des organisations de la société civile qui tout de suite ont compris et se sont mis ensemble pour mener des actions de sensibilisation. Est-ce que vous pouvez nous parler, conseillère, vous également, de votre stratégie à pouvoir amener la population à mieux surtout comprendre le contenu de cette constitution. Au niveau de notre organisation, La Voix de la Femme, dès l'adoption du projet de la nouvelle constitution et sa présentation par le gouvernement à travers le ministère du secrétariat général du gouvernement, La Voix de la Femme s'est préoccupée pour comment vulgariser et quelles sont les stratégies à utiliser pour vulgariser la nouvelle constitution, surtout auprès des femmes. Surtout auprès des femmes. Et dans ce sens que nous avons initié le projet qui est dénommé « Femmes tchadiennes, notre constitution, notre priorité ». C'est une initiative propre de l'ONG La Voix de la Femme qui a été lancée le 19 passé dans la grande salle multimédia du ministère des Affaires étrangères, par le ministre de l'administration des territoires, par ailleurs le président du CONEREC, et d'autres personnalités. Et cette campagne a pour objectif d'informer, de sensibiliser les femmes sur l'importance de l'enrôlement sur le fichier électoral et également la vulgarisation de la nouvelle constitution. Alors, donc, comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que c'est oui, le déroulement... Vous faites des descentes sur le terrain, oui, au fond du village? Oui, bien sûr. Vous parlez du fond du village. Notre cible, c'était les femmes rurales. Notre cible principale ici, c'est vrai que les femmes en général, mais plus particulièrement les femmes rurales. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travail à faire auprès de ces femmes, raison pour laquelle, dans notre chronogramme, nous avons plusieurs activités. Nous avons des meetings de sensibilisation avec les organisations et groupements féminins. Nous avons aussi des échanges avec les femmes, des séances d'échanges avec les femmes. Nous avons aussi des émissions radio et télévisées aussi. Nous avons aussi des campagnes de sensibilisation, des caravanes de sensibilisation. Déjà, nous, on a commencé avec notre programme, qu'on a fait presque 3 étapes. Comme peut-être vous nous suivez un peu à travers nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux et sur la télévision. Nous avions dans le premier arrondissement à Farsha pour rencontrer le groupement féminin à Farsha. Il y a eu un grand nombre de femmes à participer à notre activité. On était à Koundoul, hier on était à Gaoui. Oui, ce que je voudrais savoir, quel est le message que vous véhiculez à travers ces différentes stratégies que vous avez mises en place. Quel est le contenu de ce message que vous... Et le contenu de nos différents messages, la femme aujourd'hui, elle représente plus de 53% de la population et elle a un rôle très important de jouer
dans la consolidation de la paix et aussi sa participation dans la vie politique de notre pays. Et des fois, par méconnaissance, que les femmes, elles sont induites en erreur. Des fois, elles ne comprennent pas, par exemple, par rapport au cas de la Constitution, la nouvelle, le projet de la nouvelle, de nouvelle Constitution, beaucoup de femmes ne connaissent pas c'est quoi même la Constitution. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, c'est-à-dire qui sont dans l'intérêt des femmes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment, comme dans cette Constitution, il y a beaucoup d'innovations. Il y a eu beaucoup d'innovations dans cette Constitution. Et notre rôle en tant qu'organisation des femmes et en tant que leader d'informer les femmes. Et donc cette campagne qui nous a permis d'expliquer les femmes dans la Constitution, tout à l'heure, maman a parlé des opinions, des certaines catégories, des opinions, de certaines sensibilités sur la question des formes de l'État. Donc beaucoup plus les gens mettent l'accent sur les formes de l'État. Or que la question de la Constitution, ça ne concerne pas que la forme de l'État. Il y a beaucoup d'autres innovations, il y a beaucoup d'autres choses. Et ce que nous, en tant que femmes, on est en train d'expliquer aux femmes, cette Constitution qui est censée nous instaurer à l'ordre constitutionnel, de revenir à l'ordre constitutionnel. Okay. Okay. En tant que femmes et soucieuses de la paix, de l'stabilité de notre pays, c'est de notre devoir de connaître bien le contenu de cette Constitution et donner notre avis sur cette constitution lors des référendums. La conseillère, est-ce que, avant de passer donner la parole au président Digadimba, est-ce que vous pensez que ce temps est suffisant pour convaincre les 53% des... Oui, tout à l'heure, Mamad aussi a parlé de la proximité de la société civile avec la population. C'est ça l'avantage que la société civile a, pour que la société civile puisse aller à n'importe quel moment faire entendre ou faire écouter ou faire parler à la population. C'est vrai que le temps est très court, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les moyens. Si nous avons les moyens conséquents pour la vulgarisation de cette constitution, je pense qu'on peut aller jusqu'au fond du village. Et pourtant, il semble que les moyens étaient mobilisés par l'État pour ce travail. Nous n'avons rien réussi jusqu'à aujourd'hui, par exemple, avec notre initiative Femmes tchadiennes, notre constitution, notre priorité. Jusqu'à aujourd'hui, longe la voie de la femme travaille avec ses propres moyens. Nous n'avons pas encore réussi de moyens, ni de partenaires, ni de gouvernement pour la vulgarisation de cette constitution. C'est une préoccupation de notre ONG et avec ses membres que nous avons initié ces projets et que nous sommes en train de travailler. Je suis sûr que peut-être le gouvernement... ils nous suivent à travers nos différentes activités et aussi les partenaires, peut-être dans les jours à venir, peut-être ils vont venir se rejoindre à nous pour nous appuyer à bien mener nos différentes activités. Espérons. Inch'Allah. Oui, Président, alors vous avez, à vous entendre, vous avez déjà commencé par mener un certain nombre des activités. C'est aussi très tôt lorsqu'on pose cette question, de mesurer un peu l'impact. Mais si on vous la pose, cette question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, l'impact des actions. Oui, c'est vrai, comme disait ma sœur, la conseillère Amina. D'abord, je pense que pour d'abord mesurer, c'est-à-dire l'impact, comme elle venait d'expliquer tout à l'heure, moi, je pense que le contenu est très important. Et là, nous également, c'est-à-dire nous faisons savoir aux citoyens que cette constitution, il y a des grandes avancées dans cette constitution-là. Cette constitution participe même à la modernité de la vie démocratique. Donc, pourquoi modernité de la vie démocratique dans la mesure où, aujourd'hui, dans cette constitution, par rapport aux libertés fondamentales, par rapport aux droits humains, je pense que tout est clair et précis. Et également, pour la première fois dans notre constitution, il y a la constitutionnalisation de l'organe chargé des élections. Avant, c'était la CENI, les gens se retrouvent et puis ils créent la CENI. Or, maintenant, c'est constitutionnel.
Donc nous pensons que c'est des garanties également pour la transparence des élections futures. Donc il y a également l'article concernant le mandat présidentiel. Là également, il faudrait expliquer à l'opinion que cette fois-ci, il y a également des garde-fous dans la Constitution pour qu'on ne peut pas tripatouiller, c'est-à-dire l'article concernant le mandat présidentiel qui est de 2 ans non renouvelable. Oui, mais deux mandats. Mais de tout temps, il y a toujours cette disposition. Mais pour le moment, nous pensons que, à travers l'explication que nous allons donner, c'est-à-dire à nos populations, quand ils vont aller au référendum, quand ils vont voter cette Constitution, eh bien, il faudrait qu'ils puissent également avoir des atouts pour défendre, c'est-à-dire cette Constitution, afin d'éviter tout tripatouillage en cas où, un jour, le tripatouillage peut venir dans le cadre de retouches au mandat, c'est-à-dire présidentiel. Donc, il faudrait savoir expliquer. Comment est-ce que cette population peut refuser ou bien s'opposer à des éventuelles modifications. Il y a des articles dans le préambule qui demandent, qui appellent la population à une manifestation, c'est-à-dire légale et constitutionnelle, pour aller, c'est-à-dire contre, c'est-à-dire toute révision de la Constitution. Donc nous pensons que c'est pourquoi il faudrait savoir expliquer à la population. Et donc vous estimez que c'est des garanties? C'est des garanties. Quand le peuple prend ses responsabilités, c'est des garanties. Mais si le peuple n'arrive pas à prendre ses responsabilités, c'est là où il n'y a pas de garanties. Mais nous pensons qu'avec le réveil de conscience aujourd'hui de la jeunesse, nous pensons qu'avec les nouvelles donnes politiques aujourd'hui à travers le monde, nous pensons qu'il y a des garanties pour la défense, c'est-à-dire de cette Constitution, parce que demain, on ne va pas encore revenir à cause d'un mandat pour essayer de remettre en cause encore cette Constitution qui est le fruit, comme j'ai dit, d'un consensus national. Et il y a également, c'est vrai, l'autre Amina disait également, cette Constitution, ce n'est pas seulement la forme de l'État, mais il faudrait également expliquer cette forme de l'État, parce qu'on a opté dans la Constitution pour des collectivités autonomes. Où il y a cette fois-ci également, ça se rapproche un peu de la fédération, mais qui ne dit pas sinon, si on applique à la lettre, c'est-à-dire cette Constitution. Parce que les collectivités sont autonomes, avec les présidents élus des collectivités, les présidents des départements, et également une fonction publique également locale et également un budget également autonome, c'est-à-dire au niveau des provinces. Donc si réellement on a l'amour de ces pays, si on a vraiment l'amour de ces pays et si on vote cette Constitution et si on l'applique, eh bien nous aurons sauvé le Tchad, c'est-à-dire de tous les problèmes. Donc c'est pourquoi nous disons, nous au sein, au niveau de la CACIDO, nous disons qu'il est très important d'outiller, c'est-à-dire les citoyens, du contenu de la Constitution, d'éviter, c'est-à-dire de faire des déclarations folkloriques, éviter cela. Il faut aller dans la réalité, dans le fond, pour expliquer à la population. Même si vous voulez dire à la population de voter oui, dites à la population qu'à l'intérieur de cette Constitution, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc maintenant, l'impact, il faut le dire, nous avons commencé à travailler. L'impact, on va le mesurer, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire du travail que nous aurons à faire. Mais il y a déjà l'impact. Les gens commencent déjà par comprendre. Les gens veulent comprendre le contenu de la Constitution. Et c'est pourquoi, comme disait Amina, c'est pas disponible. Il faut mettre cela en quantité. Et il faut multiplier des millions d'exemplaires pour que vraiment les Tchadiens puissent comprendre le contenu. Sinon, ils diront que nous sommes en train de cacher quelque chose à l'intérieur. Alors, dites-nous, quels sont, selon vous, les principaux avantages de l'implication de la société civile au détriment des autres, comme les médias et autres? Quels sont les avantages? Oui, tout à l'heure, je pense qu'on vient de parler. Vous avez soulevé partiellement. Oui, oui. Mm-hmm. Que la société civile, elle est au quotidien, à côté de la population. Et puis, la société civile a beaucoup d'avantages. Les avantages de la société civile, et c'est vrai que les partis politiques, les médias, les autres sensibilités aussi, ils font des travaux énormes
il faut les saluer, ce qu'ils font sur le terrain. Mais la société civile a ses propres stratégies et ses propres avantages pour aller à la rencontre de la population et puis pour leur expliquer sur certains points, pour leur sensibiliser sur certaines choses. Et surtout, cette fois-ci, c'est sur la question de leur implication dans la vie politique de notre pays. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. OK. Quels sont alors les obstacles? Vous avez commencé à travailler, à sensibiliser. Selon vous, quels sont les obstacles, les difficultés que vous rencontrez? Les pour faire passer votre message. OK. C'est vrai que la société civile, les obstacles que nous avons eu au niveau de nos différentes organisations de la société civile sont liés aux moyens. C'est des obstacles qui sont liés aux moyens. Tu sais, aujourd'hui, pour la vulgarisation de la Constitution et aussi pour toucher maximum de personnes dans le 1 284 000 km² de superficie du Tchad, c'est un énorme travail à faire. Et ce travail demande le moyen financier, et matériel, technique conséquent pour que les organisations de la société civile puissent vraiment à réussir dans cette noble mission qui est la vulgarisation du projet de la Constitution. Et en ce sens que moi j'invite, je saisis cette opportunité d'inviter le gouvernement, les partenaires et d'appuyer la société civile. D'appuyer ou renforcer la capacité des acteurs de la société civile. C'est vrai, aujourd'hui, nous, on a commencé avec l'initiative de Femmes Tchadiennes, notre constitution, notre priorité. Et Kassidou a commencé, d'autres organisations ont commencé. Mais il y en a beaucoup encore qui veulent vraiment faire des activités de sensibilisation mais sur la vulgarisation, mais ils n'ont pas les moyens. À vous entendre, il y a beaucoup de difficultés. Le temps même est court. Et cette question liée à ce temps, selon vous, est-ce que réellement ce temps est vraiment possible pour permettre à la population de comprendre ce projet de constitution et aller voter les jours J? C'est une question de volonté. Je pense que déjà hier, ils ont lancé l'enroulement ici à N'Djamena et dans les provinces du Nord. Je pense bien avant le lancement aussi, il y a des associations ou des organisations, des sensibilités qui ont déjà commencé sur la sensibilisation. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous on commence pour faire la sensibilisation, qu'il y a un travail qui a été bien commencé bien avant pour la sensibilisation jusqu'au fond du village. Il y a aussi, je connais mes collègues au niveau du Conseil national de transition, vous le savez, aujourd'hui le Parlement est constitué de plusieurs sensibilités, y compris aussi la société civile. Moi aussi, je représente la société civile. Juste après l'adoption de la Constitution. Juste après l'adoption du projet de la Constitution, il y a beaucoup d'acteurs qui sont déplacés dans les provinces, dans les villages pour la vulgarisation. Donc, il y a un travail qui est déjà en cours et les autres aussi, ils peuvent continuer. Et nous aussi, on va continuer sur la vulgarisation. Donc, je pense que moi, je pense que les temps peuvent nous aider à bien mener la sensibilisation. Et déjà même la comité est spécial pour la rédaction qui a fait aussi, à part le projet de constitution, ils ont fait aussi des projets de constitution simplifiés. Le projet de constitution simplifié qui est avec des images, avec beaucoup de choses, qui va qui aussi faire ressortir les grands traits, de cette constitution qui nous a permis aujourd'hui, nous, à travers notre organisation, d'utiliser le projet simplifié pour expliquer aux femmes rapidement les questions, les points importants sur la constitution. Donc nous avons le temps de faire la sensibilisation. Et certes que c'est les moyens qui nous manquent. OK. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Président, en dehors des moyens, est-ce qu'il y a autre chose en un seul mot, peut-être? Comme disait la conseillère, la communication faite par la société civile est une communication qui va droit, c'est-à-dire à la population. Et la population met un accent particulier sur une communication faite par la société civile. Parce que la communication de la société civile est une communication pédagogique. Ça, c'est très important. Okay. La communication du politique a une vision politique, c'est-à-dire dans la Constitution. Et la communication également des médias, parfois c'est par rapport également à des lignes éditoriales.
Donc il faut dire que la société civile est très bien placée pour la vulgarisation de cette constitution. C'est pourquoi il faudrait que l'État donne les moyens. Il faudrait que l'État outille, c'est-à-dire la société civile, et pour que la société civile puisse inonder le Tchad. Qu'on inonde le Tchad, c'est-à-dire par les organisations de la société civile, pour faire passer le message. Donc, le timing que nous avons, nous pensons que le travail est en train d'être fait, et nous profitons également de l'occasion, pas seulement que l'État, mais même les partenaires techniques qui appuient, c'est-à-dire le processus de la transition, peuvent également appuyer les organisations de la société civile pour faire passer le message. Donc, je pense en tant qu'acteur de la société civile, eh bien, nous profitons également de l'occasion pour lancer, c'est-à-dire un vibrant appel à la population tchadienne, du Tchad profond et de tous les Tchads, de chercher à comprendre, c'est-à-dire la Constitution, et également pour que le moment venu, ce référendum constitutionnel puisse avoir un très fort taux de participation. Et la réussite, c'est-à-dire de ce référendum, avec un taux élevé de participation, dépend également de la réussite, c'est-à-dire de la vulgarisation de la Constitution, de la mobilisation, de tout le monde, de tous les acteurs sociaux, politiques, tout le monde, pour la réussite, c'est-à-dire pour emporter, c'est-à-dire pour que la population puisse s'approprier de la Constitution, et le jour J, tout le monde va se battre, va sortir très tôt pour aller chercher à déposer, c'est-à-dire à voter. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté de venir partager votre temps avec nous pour passer les messages, sensibiliser la population autour de ce projet de la nouvelle constitution de la République du Tchad et qui va certainement après annoncer la fin aussi de la transition après son adoption. Mesdames, Messieurs, votre émission Point de vue d'aujourd'hui prend fin. Nous avons reçu sur ce plateau, comme vous l'avez remarqué, le coordonnateur du Kassido Mamat Diga Dimbaye et la conseillère Amina Yaya Tidjani, présidente également de l'ONG La Voix de la Femme. Une fois de plus, merci et à très bientôt sur Télé-Tchad.